Responsable rassemblement contre impunité à qui c'est Léonard Jean-Rinaldo qui qualifie Juette mesdames politicien qui a plaidé en faveur du départ ordonné pour président Jovenel Moïse. Pour Léonard Jean-Rinaldo, leader politique sérieux contribué dans le métier et chef de l'État sous pouvoir, qui donc est responsable de la situation malouque pays à connaître depuis plusieurs années. Devant cette loi Mounan Croès, c'est pour la population haïtienne continuer à mobiliser pour forcer président Jovenel Moïse à quitter par les nationales. En côté déclaration, Léonard Jean-Rinaldo Renaldo dans le micro, Radio Méga. Bon, là, il a parlé de départ ordonné. C'est où je vais mesdames. Bon, côté qui est-ce que mesdames ça fait? Politiciens traditionnels. Dans le pouvoir, dans l'opposition. Dans l'opposition. Donc, on est monde ça, c'est yo, après yo, c'est yo. Donc, en pile, on a parlé de départ ordonné. Moun ça, c'est des gens qui ont contribué avec Jovenel. Qui mettait payé dans sa déjotie. Sinon, excusez-nous si nous t'as cité non, M. Boulos. M. Boulos, nous connaissons sous tout gouvernement sous passé. C'est lui qui est premier ministre. C'est lui-même qui était dans la commission sur Matelia. Et c'est lui-même qui t'a proposé Eden Spol comme premier ministre. Donc, on change de déclaration Boulos de dit, il préfère marcher avec un pantalon, seul pantalon, faut que je venais le président. Donc ça veut dire Mounsa, eux-mêmes, ils contribué pour mettre payé dans sa déjotie. Donc c'est un fait normal. Pour parler des pas ordonnés. Parce que eux-mêmes, ils ont une baleine dans le milieu qui a demandé pour Jovenel aller, ils ont l'autre baleine dans le milieu qui a dit faut que Jovenel y parle. Nous-mêmes, au niveau des rassemblements pour l'infinité, nous disons que Jovenel fait trop de crimes dans le pays. Jovenel écrase l'économie pays. Bien entendu, il a écrasé l'économie pays, il passe à Jovenel. Toute action malhonnête, Jovenel couvert dans le pays, qui s'en va dire à Jovenel, qui s'en va dire à Jovenel. Donc nous croyons que Jovenel, il n'est pas question pour que nous parlions de départ ordonné. C'est le moment pour que nous organisions et augmentions force pour Jovenel liquider par les nationales. 6h15. Nous avons poursuivi ensemble avec Léonard Jean-Rinaldo. Une fois ça, c'est sous l'autre dossier. Référendum, c'est un projet pour capable légaliser. Référendum à élection, c'est un projet pour capable légaliser corruption. À Kempinté, d'après analyse défenseur droit mounan, Léonard Jean-Rinaldo qui croit, si pouvoir en place arriver, réaliser référendum à élection, pays après force et plus, dans instabilité. On écoute une autre fois, Léonard Jean-Rinaldo, toujours dans le micro, Peterson Blaise. Nous avons programmé pour faire élection. Référendum à toute élection, ça, c'est un projet pour égaliser bandits, monde qui a fait crime, parce que tout le monde connaît, et nouvel référendum, ça, côté li parler, côté quel que soit crime, un ancien ministre, un président du commettre, pas gagner aucun monde et lié à la justice, il fait l'aide. Donc je dis que nous connaissons M. Dambia Chika, dans quelle dimension yo criminel, dans quelle dimension yo volé. Donc je dis à lorsque vous faites ça, son façon pour égaliser tout le monde qui a fait ça qui est mal. Et si le projet ça l'exécuté, nous n'avons pas gagné pays encore. Nous, je dis, presque pas gagné jeune fille, jeune garçon qui était dans le pays. Puis autour c'est dans l'autre pays, Brésil, Chili, qui ont tout allé. Si le référendum ça l'exécuté, nous pas quoi gagner monde qui a prêté dans le pays. Président Jovenel Moïse dit dans l'intervention à mon entreprise que la Constitution 87 là, c'est sous instabilité pays à prendre des nettons. Jovenel, qui ça Jovenel pape dit? N'avancé avec information que responsable pape d'Aka Michel Meuse qui continue d'énoncer projet zone franche Savandjanan qui est étendu sous trois départements. Ka Michel Meuse lui-même fait qu'on est là, c'est un projet contre intérêt peuplant, masnant des paysans dans commune Sayo, dans département Sayo. Responsable pape d'a rappelé pays a fait face à un gros problème aliment, a dit question alimentation, question manger, alimentaire, lorsque pouvoir remettre toute terre Sayo by bourgeois pour un intérêt personnel. Car Michel Meuse qualifié prétexte parole entrepreneur qui fait qu'on est, il pral créer 20 000 jobs. En écoutant Car Michel Meuse. Parce que c'est clair que je dis, il y a un problème fondamental que nous avons pour résoudre, c'est le problème de la faim. Nous avons plus de 4 millions de monde qui ont un grand goût. Nous avons pile de monde qui est mal nourri. Nous n'avons pas de monde qui est malade parce qu'il n'y a pas qu'à manger. Et son situation n'a pas aggravé de façon dramatique. Pendant la conjoncture, nous connaissons que quand c'est mon qui est grand, on multiplie par deux pendant le gouvernement Jovenel Moïse. Donc, il est clair qu'il y a une préoccupation logique, c'est qui est capable de résoudre le problème grand. Et qui est capable de résoudre le problème grand, parce qu'il y a deux entrées fondamentales. Une, c'est la production alimentaire. Ça veut dire qu'il faut être capable de maximiser quand c'est manger qu'on a fait dans le pays.
et maximiser quand c'est manger qu'un café dans le pays, il est possible avec une meilleure utilisation de terre, avec un encadrement de l'économie paysanne, appui à l'économie paysanne qui t'a permis de gagner accès à une série d'intrants, qui t'a permis de gagner accès à une série de marchés. Et je dis, nous connaissons que Savandien, c'est une zone que tout le monde reconnaît comme une zone stratégique qui était capable de permettre une amélioration significative de productivité, nous, dans la question produits manger. Donc, sacrifier zone ça pour capable répondre à besoins marchés internationaux, c'est un crime. Même genre crime que commettent dans le parc industriel Caracol, qui est le côté que yo bétonné tout un ensemble de surfaces agricoles. Dans le pays côté Gengogou, dans le pays côté que terre arable et terre cultivable sont très très rares. Hein? Et nous pensons que c'est une voie de garage dans la mesure où le type d'investissement ça y est produit plus gangou, y produit plus désespoir, y produit plus migration et y produit tout un ensemble de qualités. Responsable d'affaires qu'on est projet, ça n'a pas gagné aucune base légale à cause de la prison Jovenel Moïse était déjà fini. Camille Chalmers a précisé tout gagné gros doute sous vraie propriété Teresa. Pendant le critiquer tout comportement, gros poète, famille a perdu avec un support autorité au poussier de sofa sous Teresa lorsque vous avez gagné papier légal. On écoute une autre fois Camille Chalmers. Bon, d'abord, arrêté illégal. Ok? Arrêté illégal parce que c'est un bon président de facto qui n'est pas président. C'est son premier bagage. Deuxièmement, il y a un pile questionnement par rapport au statut juridique Tessa. Parce que, ils ont parlé par exemple de terre des joies, alors que toute documentation qui existait au niveau des GI montrait que des joies, c'est louer le terre, l'idée à fermer dans l'État. Ok? Ensuite de ça, dans Savandien, dans l'espace, il y a plusieurs expériences de colonies agricoles. Colonies agricoles qui étaient faites après le massacre de 37, colonies agricoles qui sont faites après le tremblement de terre du 12 janvier. Colonie agricole, là, c'est un espace que l'État baou en usufruit, qu'on est capable d'exploiter, mais qui n'est pas pour. Qu'on est capable d'exploiter sous certaines conditions, mais qui n'a pas aucun droit de propriété sur lui. Donc, il y a tout un ensemble de clarifications qui t'a de fait sous statut réel TSAO et soi-disant droit de propriétaire qui réclamait, je veux dire. Et d'autant plus que le fondamental, c'est l'intérêt global de la nation. Côté que nous gagnons très peu de terres arables, nous gagnons très peu de terres cultivables et nous gagnons très peu de terres qui présentaient potentialité que Savandien gagnait et qui démontrait par tout un ensemble d'études qui faites au cours des 20 dernières années, études du ministère de l'Agriculture, études de la faculté d'agronomie, études d'un ensemble d'entrepreneurs qui ont gagné vision pour utiliser les zones ça. Donc, un paquet de données qui montrait que c'est une zone qui est très, très, très importante, qui a une potentialité extraordinaire et qui t'a dû utiliser d'abord pour répondre aux besoins économiques de la nation et pas forcément pour reconstituer des plantations. N'a toujours été dans le même dossier, problème TSA, Kabay, problème sérieusement dans le pays, laissé par l'État, c'est l'autre monde qui entre, qu'on prend sous, tes mondes, voilà, tes mondes, conflité rien dans le pays. Eh bien, après, on fait une côté, professeur Camille Chalmers, qui lui même qui a posé problème, côté l'État, avec un ensemble de gros entrepreneurs dans le pays, zone Savandjan, côté jeudi à là, qui pourrait laguer un ensemble paysan cultivateur dans le chômage, il y a pas quatre travails là, t'es encore, mais n'a toujours été bon, dit que quelques habitants dans la commune Cabaret qui dénonçait à l'exécutif Cabaret yo dit qui prend plaisir dans voler tes habitants dans la localité Bercy. Citoyen ça yo fait qu'on aime ici ça au gain à yo plaisir bandit pour faciliter yo poser zakasi là. Habitants fait qu'on aime la police à la justice apparaît impuissant devant force monsieur ça yo. Grégory Hippolmont et Ralph Magnan, ces deux héritiers victimes qui t'ont rencontré la presse hier jeudi, n'a venir avec déclaration monsieur ça yo. N'a toujours été dans le même problème causé était là, nous praler dans Gonaïve, cité des bas pays, département de la Tibonite, avec un collaborateur, nous, Mackenzie, lui. Côté, il a déjà commencé par les noms de dossier ça. Plusieurs dizaines d'étudiants, université publique, la Tibonite, UPAG, qui était dans tête, Rite Université, qui c'est Jean-Odile Etienne, t'es rendu dans zone monde blanc. Côté, il était al constaté gagote, qui fait, sur environ 25 chaos, que l'État ici a été fait université à cadeau, dans l'idée pour t'a construit, yo, campus, qui t'a pris à loger université, Rite UPAG, là,
profiter dénoncer quelques individus lidi qui t'a monté sous terrain si là, soit pour construire caille ou bien pour vendre terre sans yo pas gain aucun papier pour faire ça. On suit un reportage avec collaborateur nous Mackenzie lui depuis Gonaïve. Même gens en pile l'autre côté dans pays, gens en pile l'autre côté dans pays, la bataille pour terre constitue une véritable casquette chinoise pour l'État haïtien à résoudre. Laissez pas diaspora qui victime, c'est si malheureux. Quelquefois, c'est bataille qui éclatait entre plusieurs familles pour connaître qui est-ce qui est un vrai propriétaire, qui est-ce qui est un vrai héritier. Ça a quelque temps, il y a un gros torchon qui a boulé dans la zone monde blanc commune Gonaïve entre plusieurs familles qui eux-mêmes t'a déclaré tête comme propriétaire ou bien comme héritier qui parfois a coupé raché sous plusieurs centaines de carreaux de terre que l'État haïtien a déclaré d'utilité publique depuis sous ancien défunt président René Garcia Préval. Faut qu'on dit, l'État haïtien a acheté plusieurs dizaines de carreaux de terre dans la famille bien-aimée. Tessi Layo, après passage cyclone Jeanne, t'après permettre l'État relocaliser plusieurs bâtiments publics, l'hôpital, stade, palais de justice, université, etc. Bataille pour terre qui joignent aval certaines autorités en dans appareil justice semblait commencer à dépasser les limites dans zone monde blanc. Je quitte mercredi 5, plusieurs dizaines d'étudiants accompagnés de recteurs Université La Tibonite Lan UPAD débarquaient dans zone monde blanc pour constater gagote qui fait dans plus passé 25 carreaux de terre que l'État haïtien te fait don à l'université a dans l'idée pour construire un campus dans zone si la recteur Université a Jean Odile Etienne a expliqué. Nous matin pour nous venir constater invasion qui fait sous terrain que direction général des impôts à travers direction des domaines et la mairie de Gonaïves a fait une bague un don de 20 carreaux de terre pour construire un nouveau campus. Il y a un ensemble d'individus mal intentionnés qui dans la ville. Ils ont dit qu'on a mené une enquête de connivence à certaines autorités locales qui font lotissement, qui vendent pas ci et qui vendent pas là. Et pour nous stopper Moïse, ça, c'est ça que fait aujourd'hui en accompagné de délégation professeurs, étudiants et responsables conseil académique pour venir faire constat et avec nous-mêmes tout comme membre de la presse pour nous garder que aujourd'hui nous presque pratiquement pas arrêté même en emplacement pour nous commencer le projet. Nous venons faire étudier et constater ça et démarcher Galio, comme nous dit déjà, nous après rafraîchir et lisez nous, puisque nous avons parlé de guerre. Inévitablement que nous qui l'a eu, bon, nous soupçons, formons son lot, nous désolé ni pour acheter ni pour vendre. Situation si là, pas quitter indifférent, nouveau délégué départemental là, Tibonitlan, M. Enoch Généginelus, qui lui-même, sous Bopal, condamné. C'est ça que envahisseur fait souterrain l'état yo il fait connaître mon si la yo a campé en face li. Moi personnellement dans le délégué départemental j'ai touché des questions bien avant étudiant du pavio monter terrain. Moi j'ai touché des questions qui ça me défait dans le délégué. Moi j'étais en train pour parler à magistrat ville parce que le maire de la ville il est gérant de tous les biens meubles et immeubles de l'état. C'est responsabilité depuis bien l'état en danger le maire là il assume responsabilité pour intervenir pour sauver l'État. Je ne peux pas comprendre haïtien du tout. Pour acheter un terrain dans mon monde, des milliers de dollars. Dollars dans le vrai sens du mot. Ou bal des milliers de dollars alors que même mon petit papier, le papa, il a une pièce côté. Ou il a aller pour le bas ou un papier de mais pour avoir un droit de propriété. Moi-même, moi c'est représentant du ministère de l'Intérieur. C'est le délégué départemental qui vous parle. En tant que représentant du ministère de l'Intérieur, donc pas capitaine du ministère de l'Intérieur qui pour agir. Bon, si le constat désolé. Si le constat désolé parce qu'il y a un délégué en face. Moi-même, nos généraux, tout le temps, moi délégué départemental, on est capable de travailler dans. Si toutefois on travaille dans la justice ou travaille bien dans Fatra ça, moi désolé pour vous, pour ça. Mackenzie lui, Gonaïve, pour vous bout ton radio, méga. Merci un peu, Mackenzie. Vraiment, c'est tout pays à net qui a fait face avec un problème conflité, rien ça. Et ça qui conduit dans l'histoire, auditeur, auditrice, nous avons mis à notre noyau. Et un peu, ouais, Jaswa victime de ça, pile. Jaswa, monsieur, c'est un grand pile, un homme qu'on est, ça, lui souvent arrivé, non, et les sujets, ça parler, non, il est vraiment intéressé, non. Jaswa, victime de ça, pile, là aussi, là-bas, vous voyez, comme si soit formé bien acheté, à force que quelqu'un d'après, t'as beaucoup entré pour venir bâtir sur les, là, vous venez, vous conjoignez, bloc guette à monter, sol guette à monter, puis baguette à monter. Et vous conduisez au grain de terre, vous en avez les potes 20 moun. Vous avez été chargé net. Oui, j'en ai dit tout à l'heure là, qu'on écoute toujours, on a tourné avec déclaration
quelques habitants dans la commune Cabaret qui dénonçaient à l'exécutif Cabaret. Il a dit qu'il prend plaisir voler les habitants dans la localité Bercy. Citoyens, ça a fait qu'on est là, mais c'est ça a gain plaisir bandit pour faciliter yo pour ces axes-là. Habitants ont fait qu'on est la police avec la justice paraît impuissant, douvant, force, mais c'est ça yo. Nous prenons l'invité de nos côtés Grégory Polimon, Paul Mon avec Ralph Magnan, c'est des héritiers victimes qui t'ont rencontré avec la presse hier jeudi. En écoutez une après l'autre, Grégory Polimon avec Ralph Magnan dans le micro Radio Méga. Bon, problème nous, c'est face à agent intérimaire Cabaret hein, qui devient un certain. Bon, problème nous, c'est face à agent intérimaire Cabaret hein, qui depuis un certain temps lit monté sous propriété privée plusieurs familles dans la zone Cabaret, plus précisément dans la zone de Bercy, sur l'habitation La Baudrie. Côté que agent intérimaire là, accompagné de Kazek là, et bon, pratiquement de tout un gang, d'après ça que nous comprenons, que messieurs yo, amusés, yo, yo prend terrain privé, plusieurs monde dans la zone là, parmi lesquels moi-même, et moi c'est yon l'héritier au Léman, ok, gagnent tout les héritiers tranquilles qui impliqués comme victimes dans bagaille là, gagnent à côté dans la les héritiers Bansio qui au même tout censé victimes des actes malhonnêtes agent intérimaire là, un certain Joseph Guillaume, qui une fois que lui monté comme agent intérimaire, néglant, monsieur Lagué en zone là, monsieur sait où on a fait tel ligne réglée. Donc, nous apprenons que monsieur prend sous lit pour prendre l'argent là, mais monde pour dire que lui vend yoté. Est-ce ainsi que nous apprenons que bon dame du nom de Esténia Oxeus, qui t'a soi-disant baïmission l'argent, et puis maintenant dans des dames là qu'on y a la journée aujourd'hui, l'a construit sous propriété nous, et ceci en toute illégalité, parce que monsieur Joseph Guillaume là, ok, et monsieur c'est Job Salvin fait dans zone là, son question de tel vigne réglé, et d'après information que nous n'y a, il a nommé monsieur agent intérimaire pour un, et puis pour deux, monsieur l'a gué dans toute zone là, monsieur a marché monté, dans bien privé monde, prétextant que c'était l'État, tout côté le passé c'était l'État. Donc, la marche pour un cobble dans mes mondes, à droite, à gauche, comprenez, et bagaille, c'est bagaille avec gang que je suis après de l'air. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de faire des déclarations. Monsieur, si marché monte sur tes mondes, voler tes mondes, vendre, et puis ensuite financer gang, et ce sont des gangs qui sont bien connus. Parce que Guillaume certains de Chile, il fait 8 ans en prison, c'est 2 janvier, il est évadé de prison. Il utilise un certain de toutou qui est des chiens chauds, côté que magistrat intérimaire a mis même en 65, de façon pour capable de monde pression. Jean de Bagay, ça, il est insupportable. Et nous vivons exactement après toute année que nous-mêmes nous procédons, surtout la famille bien-aimée qui font un travail splendide dans la zone de leur carrière. Ils font l'école en fondation, côté de Timounio pas payé, ils payent Timounio manger, ils payent en sanitarisant qui sont de l'étranger, ils prennent soin de Timounio que ces familles qui payent pour faire tout. L'autre dossier dans le journal la mettre Edmé Rémy qui est lui pour représenter le secteur droit humain dans le conseil supérieur pouvoir judiciaire défendre tête li ailleurs jeudi sous Radio Méga dans cadre d'émission Booster. Toute organisation qui t'est participé dans le processus là légalisé dans le ministère Affaires sociales d'après Maître Rémy qui précisait toute élection t'est déroulée devant un représentant office de protection citoyen. Plus de détails dans le micro Romanès samedi. Rectification, c'est que on prend la lettre que 35 organisations écrivent non. Conclusion, si ça nous dit, c'est nous et les organisations ayant participé aux élections et soutenu par d'autres organisations de défense des droits de l'homme. Mm-hmm. Ça veut dire, non pas 35 organisations, ça, c'est l'IC qui a participé à l'élection, hein, parce que moi, c'est tendance-là qui voulait passer dans l'opinion publique là. Mm-hmm. Ça veut dire, là, dans le gain, il a participé à l'élection, hein, mais il y a un tout qui, si un autre conjoint de savane qui a participé à l'élection, et ça, il faut nous dire que soutenu par d'autres organisations. Ça veut dire liste organisation qui participent à l'élection, c'est pour 44 organisations. Pour besoin de liste, c'est OPC qui est capable de
lisa. Krifali même qui écrit net par là qui dit que non, quand c'est pas allé en ça, gain lui ouais, c'est participer, gain lui ouais qui pas participer dans l'élection. Donc son amalgame lui veut créer, mais qui passe dans l'opinion publique là, c'est peut-être ça nous voulons rectifier ça. N'ont pas dit 30 organisations qui ont participé dans l'élection. Là-dedans, ils ont participé, mais soutenu par d'autres organisations qui signent notre conjoint, ça avait. Et nous, même CSPJ, reprend même amalgame ça à tout pour lui dire que y a une organisation, lui, ouais, n'est-ce pas, organisation qui participe à l'élection, lui, ouais, l'autre qui pas participe. Mais pour se faire balabar où, ou abjoindre toute organisation qui participe dans l'élection, non, dans le procès verbal. Ou abjoindre procès verbal parce que chaque organisation, elle est venue dans l'élection, il est venu pour mon inscrit pour l'organisation qui a voté, il est venu l'inscrit et puis il est venu avec attestation à cette sociale Bali. Très bien. Qui permet que il gagne légitimité pour capable participer. Et moi, tout dans l'émission là, au départ, c'est bien, bien parti côté qu'on dit. Là, on dit organisation reconnue, c'est organisation et loi claire tout. C'est organisation reconnue par le ministère des Affaires sociales. Oui. C'est tout. C'est très bien. Voilà, on a te retenu dans le même dossier, ça gagne organisation citoyenne pour l'autre Haïti au CNH avec qui gagne la tête, l'imètre Camille Oxyus, qui continue à dénoncer processus, ça, l'y croyait qu'il fait en cachette. Camille Oxyus a plaidé en faveur reprise processus, non, depuis dans base li, devant ses droits humains, on a avancé plusieurs thèses, plusieurs éléments, éléments pour prouver que élection ça pas de bon, élection ça gagne trop données en cachette, la donne. En écoutant Camille Oxyus. En 2021, nous dit pour éviter toute frustration, nous faisons une proposition. Au fait, qui a une prérogative juridique pour lancer ce processus-là, nous faisons une proposition, nous dit. Nous proposons pour créer une organisation doyenne, ça nous veut parler de CJLAP, RNDDH, CRIF, FED, n'importe quoi, comme organisation doyenne. La première organisation émergente, ça veut dire organisation qui n'est pas gagnée 10 ans, pas gagnée 7 ans, mais depuis 5 ans, tu as fait un travail colossal dans la société. Et puis, troisième groupe, il y a une organisation en région pour permettre vraiment, nous dit, c'est une élection inclusive qui fait trois catégories d'organisations. Ça y est, il y a formé un conseil électoral indépendant. Et puis, c'est pour un autre. Pour l'histoire et pour la vérité, Mette Emi m'a contacté. Samine, en OCNH, en fond groupe ensemble, pour lui demander au PC pour nous organiser ce processus-là. Ma réponse était ainsi. Mette Emi, au niveau de l'OCNH, CPD, nous parlons logique de retirer pied, bon métier pied. Nous parlons logique pour nous organiser l'élection. Nous-mêmes, nous pouvons gagner. Principe qui fait notre processus là, côté élection, il y a une élection inclusive. Depuis lors, on parle de mettre des élections parce que nous sommes tous différents. Et nous toujours dans la même position. Nous. Et lorsque le PCT contre nous, voilà, ça c'est déclaration Maître Camille Oxyus qui est même défenseur des droits humains qui encore cap dénoncer processus à côté et qui va avec Edmé Rémy comme représentant nos questions des droits humains dans affaires CSPJ. Nous avant nous prendre pause là, nous prêt aller dans Matissan, dans Subissan précisément, mais Matissan Fontamara nous va regarder comment troisième dans le était déjà levé avec un collaborateur nous Wilson remonté déjà dit nous comment différents côtés dans Matissan lui-même gagne machine qui croisé dans là situation li est pas trop bon l'autre bois n'a pas retourné avec Wilson Remo puisque là il semblait avec quelques protestataires qui a fait mouvement qui cal dit avec auditoire du méga qui ça qui encore qui dit dans la ria est-ce que c'est même revendication qu'on a exigé libération notaire Alexa Demostène. Wilson Remo rebonjour, comment ça est? Rebonjour Blaise Peterson, rebonjour tout le monde là. Nous c'est que nous mêmes nous accompagnés de et quelques manifestants, et bien là, eux-mêmes, ils vont nous plus détails concernant le mouvement nous, matin. Alors, où sur Radio Omega, donne-nous plus d'explications de ça que nous, avons fait là. Ambi, bonjour avec Radio Omega, et nous comptons vous travailler avec la paix. Parce que travail, ça, c'est un travail de solidarité lié. Qui ça, nous-mêmes, nous avons revendiqué, maintenant, là, nous avons levé une guerre avec Demosthène, et côté qui a plus de 17 jours dehors. Ok, côté kidnapper,
nous avons maman qui souffre ici, qui est âgée de 70 ans, à papa. Et nous avons demandé l'autre bain qui est libération métallique. Ça n'a fait là, c'est pas ni violence, c'est pas ni pour les mots, ni faire aucune démagogie. Seulement nous lever camper, nous protester, nous-mêmes, population, hein, nous avons demandé libération, mettre Alex Demosthène. Mais est-ce de... que nous parlons avec la gravité déjà? Est-ce que nous avons contact avec eux? Est-ce que vous voulez nous? Nous avons un contact ensemble avec eux. Ok? Donc, nous connaissons ça, nous avons foi aussi, mais nous avons maman, nous avons papa. Jusqu'à présent, nous connaissons aussi des mal orientés, nous ne connaissons pas kidnappés, oui. Mais c'est mal orienté, c'est société qui fait que nous fouillons le corps dans la bagarre. Ça, c'est des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont une potentialité, des professionnels, et nous connaissons tout. Et nous sommes des gens qui ont conscience, juste ne pas faire un bagarre pour nous faire violence, pour nous pointer du doigt. Mais c'est pour des libérations, mettre Alex Demosthène. Nous ne pouvons pas non, non, nous ne pas faire un son. Nous ne pas faire un son. C'est que nous connaissons eux-mêmes. Je vois que nous avons un maman. Il y a un papa, il y a un frère, il y a une soeur. Donc c'est des jeunes garçons des mal orientés. Il n'y a pas de kidnapper vrai, il n'y a pas de voler vrai, il n'y a pas de bandit vrai. Donc c'est un pays qui a fonctionné, on a un autre métier dans le monde. Wilson. Ok, Black. Wilson. Wilson, je ne connais pas si protestant est à l'abtendem là. L'abtendem là? Non, il n'est pas à l'abtendem. Ok, demandez ça pour moi. Est-ce que yo gagne une nouvelle de Alex Demosthène? Est-ce qu'il est vivant même ou pas? Et tout, demandez ça pour après pour moi. Demandez pour moi tout. Est-ce que yo mesure conséquences mouvement Afrika? Là où qu'on est, les Matisse Sambé, les Fontamara bloqués. Yo, bon Dieu, ça c'est fermé. Et tout département sud de la net, grand sud de la net, et un bon parti dans le reste département l'Ouest péruvien. Est-ce que yo mesure conséquences mouvement Afrika tout? Ok, yo ça doit blesser. Après pour nous calmement. On allait rapide. Ben, on oui. Ça. Bloquer, hein, ne pas bloquer ce département. Parce que là, pour le mouvement, on a possible. Avec sans violence. Mm-hmm. C'est que le mouvement a fait, hein, c'est pour le mouvement, on côté que on a fouillé le monde, on a brisé le monde mal, on a blessé le monde. Seulement nous connaissons, nous protestons, pour être capable de jouer une libération, mettre à l'aide de Moussène. Côté au moment où j'ai 70 années, papa, il y a plus de 70 années, ça me suffit non point. Pas oublier. Blaise, ma question pas de mon côté, et puis c'est jeune, violence qu'on a faite, c'est solidarité. Nous connaissons les gars qui attendent nous là, et parce que nous avons besoin de toucher, qu'on se sent, j'aurais une chose tout à l'heure, c'est des mal orientés, et là qui n'a pas ouvré, qui va voler vrai, donc le monde n'a qu'à l'orgueil humain. C'est parce que nous connaissons que même j'ai moins dormi hier soir, moins levé, hier soir, je dormi levé, même j'ai moins de temps à pouler dans 20 mois, pour ça, j'ai moins de temps à pouler dans 20 mois. Les blessés, mais c'est tout ça, les blessés tous, mais c'est tout ça. Avec Alex de ça, nous connaissons que les gens ont libéré Alex de Demosthène pour nous capables de jouer une libération là, et rapide bis, là avec Constance Semaine et des sous-défaites. Merci. Oui, madame, pour nous, il y a plusieurs chats qui sont avec nous là, nous avons deux chats, il y a pas de mouvement de sécurité. Alors, dis des chats blindés de la police qui est presque présent dans la zone, non? Oui, déjà blindé la police, ça noir. Ok. Merci en pile, Wilson Raymond. Continuez à regarder pour nous si il y a évolution ou à informer auditoire Radio Méga. Merci en pile. Voilà, nous sortis avec un collaborateur, nous, Wilson Raymond, qui, les mêmes, depuis le matin, t'a informé, nous, t'a dit, non, mais comment, et Bicentenaire a levé précisément zone Matissan, qui, bloqué, et qui, machine bas monter, machine bas descendre, mais, véritable objectif en mouvement, ça, c'est, habitant dans zone, non, qui a exigé libération, notaire Alex Demosthène, côté, bandit kidnappé, ça après, il y a environ 3 semaines, et, bandit beaucoup, jamais décidé, et libéré, notaire Alex Demosthène, côté bien famille, amis proches li yo encore exiger libération li.